nos habits. Que la paix soit avec vous, mes frères et sœurs. Que la paix soit faite en vous, par vous. Alors, lorsque je parle de paix, je parle évidemment de cette paix intérieure qui illumine chacun de ses regards. Peu importe d'ailleurs le chemin qui vous y a conduit à la paix, que ce soit la méditation, la prière, la drogue. Ah, ne mens pas ! Peu importe, nous sommes rassemblés ici, ce soir, ensemble. Nous ne faisons plus qu'un dans cet instant magique de paix éternelle. Ah, j'adore cet instrument, c'est pour ça que je l'ai mis là. Par contre, faut mettre la patte, parce que très vite, ça casse les couilles, ça bourdonne. Cet instant de paix éternelle, disais-je, représente le passé, le présent, le futur. C'est dans cet instant de grâce de l'éternité que naîtront les hommes de demain. C'est là que reposent ceux d'hier. Qu'il repose en paix. C'est ce que tu fais, Jati. C'est pas vrai, merde. Il me balance un bruit de paix, là, j'y crois pas. J'étais en train de penser à mon père, en plus, au moment où t'as balancé ce truc-là. Ce soir, on ne triche plus, Jati. Ce soir, on est en vérité. C'est pas drôle, la vérité. C'est vraiment un spectacle horrible. Bah, tu lui préfères le bruit d'un paix ? Ah, bah moi, je trouve ça beaucoup plus drôle. Soit. Je m'incline. Oh, cruelle désillusion. N'ai-je donc tant vécu que pour cette infamie ? Moi qui croyais avoir accompli une œuvre humoristique majeure qui aurait traversé les temps. Moi qui croyais avoir rassemblé autour de moi un public intelligent et ambitieux. Oh, vas-y, tu peux rigoler, tu sais. Mon fils qui a 7 ans m'a dit « Papa, c'est le meilleur moment du spectacle. » Pas sûr qu'il ait les capacités de reprendre la boutique, le petit. Ça suffit, Jacques, il y en a marre. Ce soir, amis lyonnais, je vous demande à tous d'être un peu ambitieux, étant donné l'état dans lequel se trouve ce monde. Ce soir, que nos rires deviennent feu d'artifice et nos larmes, feu de paille. Ah, je me sens poète. Putain ! Pour vous, pendant des années, j'ai traqué le ressort comique jusque dans les zones les plus sombres de l'âme humaine, dans ce que la société a pu produire de plus abject. Mais aujourd'hui, alors que je m'apprête à quitter la scène, étant donné mon grand âge, j'ai décidé, bah je sais... J'ai décidé ce soir de vous faire rire avec ce qu'il y a de beau en l'homme. Alors, bon, voilà, ça devrait être un spectacle assez court, c'est vrai. Bon, Jacky, arrête. Tu sais, c'est le dernier spectacle, il veut vous montrer tous les effets qu'il a dans l'ordinateur. Il est fier. Arrête, Jacky, putain. Je comprends que tu puisses stresser sur ton avenir professionnel. Il est clair que tu ne retrouveras plus jamais de travail. Mais ma décision est prise, elle est irrévocable. Attends, mais c'est ton dernier spectacle en date. Non, c'est le dernier spectacle tout court, Jacky, tu le sais bien. Hein, tu vois ? Et voilà. Remue le couteau dans la plaie, vas-y. Ou alors c'est une stratégie commerciale. Ah, le vice que t'as en toi, t'as vu ça ? Non, Jacky, c'est un accomplissement artistique, mais tu ne peux pas comprendre. Parce que t'es trop con, Jacques. Excuse-moi. Hein. Mais non, mais tu n'as pas la vision. Ce soir, je m'en vais en paix. Putain. Ouais, d'accord. Non, mais attends. Ouais. Non, mais tu t'en vas pour faire quoi ? Mais faire de la... Mais pourquoi tu me parles ? L'autre, le spectacle a commencé, il me parle, l'autre. Bon, c'est vrai qu'il va vous falloir vous trouver un autre humoriste. Voilà.
Je vous le fais pas dire. Ça va pas être facile. Vu la gueule de la concurrence, oh, ils sont mauvais, les salopes. Le problème. Non, mais arrêtez, on est en paix. C'est pas qu'ils soient mauvais, c'est l'autocensure. Les mecs, je les connais, ils viennent me voir, ils viennent à la main d'or, ils mettent une casquette, ils se planquent. Tu crois que je t'ai pas vu? Bon, les gars, non, mais tu vois. Bon, à la fin du spectacle, tu me dis, ouais, c'est vrai, Dieudo, bon, c'est vrai que t'es marrant, mais bon, moi, mon casier judiciaire, il est vierge. Mais je lui dis, c'est tout à fait normal. Tu n'as jamais fait marrer personne. Il manquerait tout ça. C'est pas avec tes trois blagues à la con que tu vas avoir accès à la condamnation, réveille-toi. Enfin, c'est réservé à une certaine élite. Bon, et surtout à certains sujets. Non, ce soir, s'il vous plaît, ce soir on est en paix. Ce soir on se transcende, ok? On trouve la verticalité. Ce soir, on a dépassé les étoiles et les galaxies. Ce soir, on est dans l'éternité, mes amis. Je lui ai dit à l'humoriste, tire-toi, va faire de la télévision, va faire des pubs pour la banque, tiens. T'auras pas de procès avec ça. T'auras un casier judiciaire vierge. Bon, ce qui n'est pas mon cas, faut que je sois honnête. J'ai un très très beau casier judiciaire. En quelques années, je me suis constitué un patrimoine historique. C'est du jamais vu. Mon avocat m'a dit, j'ai jamais vu ça. Remplir un casier en aussi peu de temps, en 2 ans. Mon casier, il est rempli, mais ras la gueule. Mon avocat m'a dit, il va falloir en ouvrir un deuxième. Le procureur, ferme-la, le procureur de Paris, bon, je le vois une fois par semaine dans le cadre de mon activité humoristique. Ah, faut rigoler, c'est n'importe quoi. Et alors l'autre, au début de chacun de mes procès, il énumère tout mon casier judiciaire. Et ça commence à être long. Il y a des gens qui s'endorment, tu vois. Ah, il y a des femmes qui allaitent leur gosse, tu vois. Non, mais attends. Il y en a, ils pètent des chaises, ils font des merguez. Attends, à un moment donné, il y a l'appel du bide. Alors sur certaines condamnations, il y en a toujours. Bravo Dieudo, on est avec toi. Taisez-vous les mecs. Ben oui, mais il me gronde le gars. Alors, j'ai pas de Molière, j'ai pas de César, il n'y a aucune merde comme ça, mais j'ai un casier judiciaire de 12 pages. Ça fait de moi une référence internationale. Fermez-la, ils vont pas être contents, les gars. Non, c'est vrai, ça fait des jaloux. Mais même au niveau international, j'ai un collègue humoriste nord-coréen, il m'a appelé l'autre jour. Ouais. C'était suite à mon expulsion de Hong Kong. Moi, j'y croyais pas, putain, ils m'ont expulsé avec mes gosses. C'est une première depuis Magellan, pareil, sur un truc... Ah ouais, il m'a appelé, il dit, ouais, je suis humoriste en Corée du Nord, putain, comment tu fais? J'ai vu que t'étais condamné à de la prison ferme en Belgique, putain, comment tu fais? Je lui ai dit, calme-toi. C'est l'avantage de vivre dans une véritable dictature, mon vieux. Ah, il m'a raccroché au nez, il était vert. Non, mais tout ça, c'est terminé. Place aux jeunes. Allez, les jeunes humoristes, à vous de jouer. Allez, en tôle, moi, je me casse. Tout a une fin, ici-bas. Mis à part l'infini, bien sûr. Premier sujet du spectacle. Tu vois que je me fous pas de votre gueule. Hein. Essaye de faire marrer avec l'infini, tu vas voir. Ça me rappelle une discussion que j'ai eue avec mon fils, celui qui a 7 ans, là, qui rigole avec les proutes. Là, il me dit l'autre jour, papa, ça s'arrête tout l'infini. Oh. Je lui dis, tu me fatigues. C'est le week-end, je sors de garde à vue.
suis humoriste, moi, pas astronaute. Qu'est-ce que je sache de l'infini, moi? Demande-moi une blague à Toto, demande-moi je sais pas quoi. Allez, va me chercher les pistaches sur la table du salon. Il me dit, oui, mais papa, la maîtresse nous a dit que l'infini, c'est ce qu'il y a de plus grand. Même vous, les parents, à côté, vous êtes tout petits. Elle a dit ça, la maîtresse? Comme quoi, on est tout petit avec ta mère. Et elle est quoi par rapport à l'infini, cette maîtresse? T'entends ça, chérie? Comme quoi on est de la merde. Comment tu veux qu'on ait de l'autorité sur nos gosses, nous? Attends, déjà, on n'enseigne pas l'infini à un enfant de 7 ans. L'autre, il peut pas. Il a l'infini dans son crâne, t'imagines? Il sait même pas lancer ses godasses. Qu'est-ce que tu veux qu'il... Après, on s'étonne que les gosses, ils finissent à l'Eurovision en tutu avec une barbe et des nichons. Non, mais... Déjà, un adulte ne peut pas concevoir l'infini. On ne peut pas... Eh ben, vas-y, madame, je sais tout, puisque tu aimes me contredire devant le gosse. Ça va jusqu'où, l'infini? Jusque... Ben, vas-y, juste dans les Pyrénées. Non, non, ma femme est du Sud-Ouest. Pour eux, la fin du monde, c'est les Pyrénées. Oh, putain. Mais les Pyrénées m'étaient même pas rendues à mi-chemin. C'est beaucoup plus loin que ça, l'infini. Ah ben, faut marcher encore une heure, ça n'a rien à voir. C'est, non, c'est en Espagne, je pense, mais je ne sais pas. Écoute-moi. Je suis en train de te dire, on ne peut pas concevoir. L'esprit humain ne peut même pas envisager l'idée de l'infini. Tu peux pas. Tu as pas l'énergie là-haut. Tu peux... Écoute-moi, je parle. Tu fais pas tourner un TGV avec une pile LR6. Tu vois ce que je veux dire? Non, mais tais-toi, ma chérie, parce que tu sais... Ça va finir en main courante, cette histoire. Moi, je suis contre l'école publique, putain. Plus tu fais d'études, plus tu deviens con. Non, mais attends, c'est pas possible. Regardez les énarques. Non, mais attends, tu vas pas... La ministre de l'Éducation, Najat. Oh. Voilà. On parle de la même personne. Najat, c'est pas qu'elle est bête, mais ça ressemble énormément. Parce que l'autre jour, elle donnait son programme pour les jeunes. Renferme-la, putain. Elle commence des dictées. Alors, même ceux qui étaient à côté, du mais quoi d'autre? Dictées. Mais alors, dictées matin, midi et soir, tu vois. Petit déjeuner, dictée. Moi, je l'écoutais parler, j'ai dit, je préfère envoyer mon enfant dans un hôpital psychiatrique. Je trouve que là-bas, la transmission est plus directe. Sous cacheton. Ah ouais, le gosse, c'est mieux, c'est une éponge. Tu vois, il est là. Il comprend rien, mais il enregistre, tu vois. Il est plus paisible, hein. Bon, alors la nuit, il va un peu se faire violer par les infirmiers, mais au moins, il aura une jeunesse. J'ai dit à mon fils, n'écoute surtout pas ce que te dit la maîtresse, hein. Et encore moins la ministre de l'Éducation, hein. Tiens, viens ici. N'aie pas peur, je suis ton père. Regarde-moi dans les yeux, c'est quoi cette façon de regarder les gens, putain? Voilà, tiens le regard, maintenant. Tiens le regard. Vas-y, chiale, c'est bien. Pareil que t'as eu 0 en orthographe, toi. C'est bien, continue comme ça, je suis fier de toi. Par contre, t'as eu 2 en mathématiques, qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, t'es pas resté concentré, bah oui, mais... T'as copié, bah attention, tu peux tomber sur un bon à côté des mecs, hein. Parce qu'à ce petit jeu-là, tu vas revenir un jour avec la moyenne. Ce jour-là, c'est direction le lave-linge, t'es au courant, hein. Position essorage, je vais te remettre les idées en place, moi, tu vas voir. Sois un cancre. C'est le meilleur diplôme que tu me ramèneras de l'éducation nationale. Et n'oublie pas, tais-toi. Voilà. Le monde des adultes est un monde d'abrutis. Ok? Donc profites-en tant que t'es jeune. Parce que tu ne seras jamais aussi con que le mec que tu vas devenir. Hein? Oui, mais réfléchis à cette phrase, tu vas comprendre. En plus, tu es mon fils, donc tu seras certainement un connard. Et peut-être même un professionnel. Ah, c'est dans tes gènes, tu peux rien. Déjà, tes grands-parents, c'était des beaux numéros. Hein. Mamie, aujourd'hui, elle fait des bisous, bien sûr, mais à l'époque, elle avait la niaque. Moi, j'ai eu une formation d'élite dans la connerie. J'ai été réveillé à 3h30, le 21 juillet 1969. Je m'en souviens comme si c'était aujourd'hui. Hein?
Ils m'ont sorti de mon plumard pour me mettre devant la télé comme ça. Regarde ! Qu'est-ce que je vais regarder ? Eh bien, regarde la télé, andouille ! C'est un moment historique, tu vas t'en souvenir toute ta vie. L'homme va mettre le pied sur la lune, on est en route vers l'infini. Oh putain ! J'avais 3 ans et demi. Hein. J'ai tout de suite compris que j'étais tombé sur la mauvaise équipe. Ah ouais. Je leur ai dit, amenez-moi à la DAS. Je m'en fous d'aller dans l'espace, je veux aller dans une famille d'accueil. Ah ouais, j'ai parlé à ma mère, j'ai dit, écoutez madame. J'ai installé de la distance. Je lui ai dit, vous n'êtes pas compétente. C'est tout. Mais voilà, il y a une anomalie dans la nature, vous auriez dû être stérile. Attends, non mais attends. On me réveille à 3h du matin, je suis de mauvais poil. Et puis c'est... Allez, fais un bisou, arrête de chialer. Mais oui, mais t'es ma mère. Mais tu m'aimes. Mais oui, mais il est où ton instinct maternel, putain ? Eh oui, les mecs ! Ah ben, je t'appelle les mecs, oui, je veux dire... On réveille pas un enfant de 3 ans et demi à 3 heures du matin ! J'ai des dents de lait, je me chie dessus, moi ! Je veux dire, non mais attends, j'ai tout un tas de réglages à mettre au point avant de rentrer dans vos délires lunaires, là ! Ah, c'est là que j'ai commencé à faire de l'eczéma. Je me grattais, on aurait dit une panthère, parce que je résistais. C'est mon esprit résistait, et le corps aussi, toi. Je refusais d'intégrer la matrice. Je refusais de devenir le robot Charlie. Je suis Charlie. Je suis gentil. Je suis la démocratie. Oh putain. Non mais attends. Arrête, je regardais mes parents chialer devant la télé, ça fait quelque chose. Hein. On est sur la lune. Oui, mais ça va, ça va. Tu sais, je me disais, si les ordures qui nous gouvernent sont capables de leur faire gober que l'homme est allé sur la lune... Bah, c'est la porte ouverte à n'importe quoi, tu vois. Pourquoi s'arrêter en si bon chemin? Je me mets à la place des mecs de la NASA, bon, bah... Toi, tu te couches pas avec un carré d'as dans les pattes. Tu continues à plaisanter. Moi, la NASA, ils seraient arrivés avec leur scaphandre chez moi, tu sais. Ils auraient chié sur la table. Ils nous auraient dit, allez-y, mangez, c'est un vaccin contre la grippe. Ah, on aurait bouffé la table, je suis tout de suite. Non, mais... Tu sais, j'étais livré à moi-même quand j'étais petit. Hein. Je regardais mes parents, tu sais, ça fait drôle. Comment expliquer à ces deux personnes, a priori adultes, hein, que la seule façon d'aller sur la Lune, bon, eh bien, c'était d'éteindre la télévision et d'aller dormir. Tu peux pas. Il n'y a pas d'autre façon de te déplacer sur la Lune. Comment ne pas flairer l'arnaque? Attends, tu plaisantes? Ça se voit que ça a été tourné en Tunisie, cette merde. Il y a un dromadaire, au fond! Et le coup de la Jeep lunaire, c'est normal? Attends, c'est pas se foutre de la gueule du monde. D'un côté, ils obligent les astronautes à faire des régimes pour perdre 50 grammes. De l'autre côté, ils embarquent une Jeep lunaire. Vas-y, monte ça sur la galerie, ça va tenir. Allez, faut qu'on y aille, il est là, là. Et puis, le tout pour faire 50 mètres sur la Lune. Tu le vois, avec cette Jeep lunaire, il fait 2 dérapages. Joint de culasse, merde, allez, on finit à pied. Pourquoi pas un cheval lunaire? Non, non, mais par rapport à l'histoire américaine, leur connerie de Far West, tu prenais un vieux canasson, tu lui mets un bocal à poisson sur le crâne. Allez, gambade, l'autre, il partait. Enfin, moi, je suis en vérité totale, je dis ce que je pense. Ouais. Il y en a peut-être qui croient que l'homme est allé sur la Lune, il n'y a pas de problème. Hein. Vous croyez en ce que vous voulez. Hein. Attends, d'ailleurs, Jackie, mets un peu de lumière. Qui croit que l'homme est allé sur la Lune? Levez la main pour voir. Ouais, ben c'est... Mais laisse-le, enfin! Il a le droit d'y croire! C'est quoi cette façon? Il croit... Et alors? Mais vous avez raison de croire, si t'as envie, si ça te fait du bien. Ah, il y en a qui croient pas. Bon, ben voilà!
chacun doit pouvoir croire en ce qu'il veut. C'est ça, je comprends pas. Si t'as envie, le Père Noël, la petite souris, le 11 septembre, et alors ? Non mais, et alors ? Si ça te fait du bien, c'est ton doudou. Je comprends pas qu'on se foute sur la gueule à cause de croyances. Ça m'énerve. C'est incroyable. Toutes les guerres de religion qu'ils sont en train de mettre en place. Moi, je vais te dire, je crois dans toutes les religions aujourd'hui. J'emmerde tout le monde. Moi, la semaine dernière, j'ai fait Ramadan. Ouais. Ah, c'était pas le moment. C'est pas la question. Tout de suite. Non, parce que, écoute-moi, j'ai une voisine qui est islamophobe au dernier degré. Depuis les attentats, elle est possédée, l'autre. Donc moi, ça m'attire, c'est comme un aimant, toi. Donc à chaque fois que je la croise dans le jardin, je la calcule, comme ça, et je fais la prière, comme ça. L'autre, elle dégueule dans les rosiers, je te jure. Puis j'ai les gosses derrière, ils sont taquins, je te cache pas, quoi. À la Wakbar, on va te décapiter, quoi. L'autre, elle s'est jetée dans les ronces. Oh, le chien de la casse. Elle est revenue, tu sais, elle a tapé à la porte comme ça. Il faut qu'on parle. Je dis, s'il vous plaît, madame, c'est Ramadan. Vous êtes interdit de parler à des cochons. Elle s'est tirée, elle est rentrée chez elle, elle gueulait. Ouais, j'appelle la police. Je dis, allez-y, madame, ils connaissent l'adresse.